Hey, eh bien, salut tout le monde, c'est FRG Geek, et donc aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo commentaire. Et donc pour cette nouvelle vidéo, je me trouve sur le jeu Sniper Elite 2 qui est sorti sur ordinateur, donc en l'occurrence je suis sur mon ordinateur. Et donc il est sorti il y a un peu moins d'une semaine sur PC. Et donc c'est parti, j'ai fait une ou deux parties, je vais pas vous mentir non plus. Donc on va se dire la mission, machin, pendant mode cadet, parce que je vous avoue que je suis pas un PGM. Et donc oui, il y a beaucoup d'histoires dans ce jeu vidéo. Et d'accord. Donc vous pouvez voir, du coup je loupe un petit peu le didacticiel. Vous pouvez voir, franchement c'est un jeu qui est vraiment vraiment stylé. Je vous le conseille à tous. J'ai pas retenu le prix. Et vous allez voir, là en l'occurrence, j'ai pas encore pu avoir l'occasion de faire des bullet time. Il faut que j'aille. Donc quoi dans le bâtiment là. Et donc c'est un petit peu les mêmes touches que dans tous les Call of Duty. Moi je vous conseille de les changer. Moi j'ai mis un petit, parce que de base c'est clavier QWERTY. Et donc moi j'ai changé les touches pour faire en sorte que ce soit pas du QWERTY. Mais et sérieux lui, voilà, il est mort. Et donc attendez, je sais pas trop où est-ce qu'il faut que j'aille. Apparemment peut-être faire un peu de nettoyage par là. Je vais aller voir par ici. Ok, faut que je descende. Je sais pas trop quoi vous dire. C'est un jeu qui est vraiment pas mal. Comme vous pouvez voir, merde, j'ai pas vu. Au niveau des graphismes, c'est vraiment stylé et on voit que c'est très 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 recherché par la créateur du jeu. Je vais essayer de vous faire faire un bullet time que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Pardon, on va se mettre à couvert. On va viser. On peut pas viser. On va pas se mettre à couvert. On va se foutre là. Et on va essayer de choper un mec. Regardez. Ok, j'ai pas assez dit pour pouvoir faire des bullet time. Donc on va attendre un petit peu. Ou enfin, c'est pas trop encore la gestion des bullet time. Mais en tout cas, je sais que quand on appuie longtemps, donc sur la touche E qui permet de prendre sa respiration et en même temps de zoomer. Ouh, la double. Et ben non. Allez, voilà. En gros, c'est ça le bullet time. Et je trouve c'est vraiment 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 stylé. Donc attendez, il est où le mec là-haut? On va essayer de faire un headshot. Voilà. Regardez, franchement le bullet time de taré est vraiment super super énormément bien fait. Vous voyez. Alors, on voit pas le corps se fracturer. Hein. Je crois parce que j'ai pas encore assez de santé. Je vais essayer un petit peu de reprendre la vie. Vous allez voir quand j'aurai de la santé. C'est vraiment spectaculaire les effets. Regardez bien les headshots. Ils sont super superbement bien faits. Peut-être là non. On voit même la balle qui continue après. On voit même l'ogive qui est explosé. Et donc bon, c'est pas trop mon style de jeu au départ. Hein. Tout ce qui est jeu, où est-ce qu'il faut être un petit peu discret et tout. Je suis un petit peu le bourrin de la vie. Et donc c'est rare que j'aime les jeux comme ça. Mais celui-là, franchement, ça change complètement. Évidemment, ça me fait un petit peu re-aimer ces genres de jeux. C'est vrai que tout à l'heure j'ai joué à Metal Gear Solid pour un petit peu me rappeler, je sais pas si vous connaissez. Et c'est vrai que maintenant je commence à reprendre goût à ce style de jeu. Donc espace Springfield munition max. Toi t'es mort. Je vais essayer vraiment d'avoir de la respiration. Enfin vous allez voir un petit peu comment ça marche. Oui, quand je vise en bas à gauche j'ai le cœur et je pense que tant que le cœur est rouge. J'ai un peu de mal à récupérer de la vie. Tant que le cœur est rouge, je pourrais pas vous faire des beaux bullet time. Ouais, des grenades. Alors, ok, X. Ok, maintenir visé avec l'objet, lancer l'objet. Donc, je pense qu'en l'occurrence, là, ils veulent que je prenne. Merde! Oh! J'ai tiré n'importe où. Château Vince. Ah, je pense qu'ils veulent que j'envoie une grenade là. Je sais pas ce que vous en pensez. Grenade! Merde! Mais. On va tirer dans. Putain. Ok. Bon.
gueule. Flashcope. Eh ben non. Les flashcopes, on peut pas trop, hein. Enfin, plutôt des coups de scope qu'on peut rentrer dans le jeu. Bon. Ça a pas l'air bien. On va peut-être lâcher, hein. Hop, t'es mort. Attendez, je vais récupérer des munitions. C'est quoi de merde. Apparemment, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, donc j'ai pas trop suivi l'histoire parce que moi j'en ai un petit peu rien à faire. Voir d'espace pour poser des explosifs. Ok, j'en ai un petit peu rien à faire des histoires. Je vais pas vous mentir. Moi, tout ce que je veux, c'est du gameplay et buter du méchant bonhomme. Ouais, on me tire d'où là. Ok, ok. Ah, je peux toujours pas faire un effet boulet. Non, mais putain, je vais voir le corps qui se décompose. Vous allez voir, c'est vraiment énorme. Ouais, petit coup de lag. Attends, ça charge les graphismes. Normalement, ça bug plus, ouais. C'est vrai que j'ai un PC puissant, mais bon, là, quand même, c'est un gros jeu. Et je filme avec une super bonne qualité. J'espère que ça a arrêté de bugger. Je suis désolé hein, pour ceux qui ça bug. Enfin, de toute façon, vous verrez tout, je pense. Mais là, ça lag vraiment beaucoup, je pense. Faut que ça sorte toutes les textures, je suis désolé. Je vais faire attendre, voilà, je vais attendre dans le menu parce que je vois en haut à gauche frappe, voilà qui bug avec les FPS. Sans qu'ils reprennent un petit peu tout ça en main. Voilà, je suis vraiment pas pro ça, hein. Je suis vraiment désolé. J'espère que ça va arrêter, c'est vraiment dommage que je recommence. Ouais bon, ça bug un petit peu, ça me dérange là. Je pense que j'ai coupé la vidéo puis je vais reprendre un petit peu après. Je suis désolé. Je sais pas pourquoi, franchement, je sais pas pourquoi ça bug. Non, c'est bon, ça a plus. Bon, voilà. Là, je sais pas trop où il faut aller. Juste au niveau de la gestion des objectifs. Un pauvre carré comme ça, moi je trouve que ça m'aide pas assez. Ça fait un petit peu un assisté de la vie. Bon, je pense qu'il faut que je prenne les escaliers, on va aller voir. Parce que cette mission là, c'est pas moi qui l'ai faite. Ouais, bon, faut prendre les escaliers, ok. Oui. Bon. D'accord. Si tu veux. Monsieur, il a. Putain, je crois que j'ai pas. Ouais, j'ai un pistolet. Ah non, j'ai une mitraillette complètement. Ok, bon. Donc la molette pour changer de flingue, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc apparemment faut que je mette par ici. Ok, une radio des années 39, je sais pas, on s'en branle. J'imagine qu'il faut que j'aille par là, il n'y a pas d'objectif là. Bon, je pense qu'il faut que j'aille vraiment le plus haut pour avoir une meilleure vue, ça commence à bugger. D'accord, ouais. Ok. Je vois des balles fusées. Un petit peu me faire du mais. Et ah, ça lag vraiment. Je pense que vous allez voir les lags. Peut-être pas, mais. Bon, si vous voulez pas. Si vous les voyez pas, tant mieux pour vous. Et moi, qu'est-ce que ça me fait chier. Et puis putain, j'ai toujours pas repris ma vie. Le bâtard qui m'a bien niqué. Alors attendez, qu'on trouve un bonhomme. Glitch de la mort qui tue. Et bam, je suis tombé et fait chier. Voilà, encore moins de vie. Je vois la flèche. Ah d'accord, faut vraiment aller tout là-haut, excusez-moi. Autant pour moi. On va essayer de monter tout là-haut sans bugger. Ok, ok. On va faire pareil, bon, on va rester dans le menu. Ouais, je veux bien, ok. Ok, ok, bon. Ok, ok, donc on ne peut pas sauter, hein, comme dans les Call of Duty, c'est pas non plus. C'est pas de son, c'est pas un FPS, hein, c'est à la troisième personne, la vue. Bon, ça change un petit peu, ça me fait bizarre, mais je m'y habitue. Voilà, attention, il y a du méchant qui arrive. Ça va saigner. Le visage des personnes est vraiment, vraiment bien fait. Voilà. Franchement, j'ai rien à dire au niveau du graphisme, c'est magnifique. Si ça pouvait arrêter de laguer, ce serait encore mieux d'ailleurs. Ah voilà, j'ai pouvoir vous faire des beaux trucs. Attendre que c'est. Attendez, même je crois que. Si
peux vous tuer lui là, ça va être bien. Plus de gorge. Et merde. Ah putain, je crois que j'ai. Ah ouais, le con, ouais, non mais c'était mon délire, je suis désolé. En fait, faut simplement pas les tuer, on va laisser passer ces 4 camions. Comme je vous l'ai dit, je suis vraiment le mec bourrin. J'ai vraiment envie de tuer du bonhomme. On va attendre tout doucement qu'il passe. J'ai pas trop encore. Ah, faut pas que je fasse péter les bombes. Oh non. Oui. Ah ouais. Bah bon, c'est pas très bien expliqué. Donc, tous ceux qui sont là, faites péter les petites bombes que vous avez posées. Enfin, la C4 ou je sais pas trop quoi que vous avez posé juste avant sur les camions. J'ai l'impression que c'est ça qu'il fallait faire. Hein. Après, c'est peut-être pas ça. Non, bah c'est bien ça. Oh là 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 là, je suis pas dans la merde. Je suis quand même tout seul face à des. Je sais pas combien d'ennemis. Ah d'accord, ouais. Ils montrent bien évidence les mines là où je sais pas trop ce qu'il y a dedans, mais bon. Par contre, faut se tirer dessus, il est où ce char? Putain. Oh là 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 là, je vais me faire défonce. Ou j'ai peut-être. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Pourquoi il monte là-bas? C'est les chars, non? Je sais vraiment pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Bon, je vais me casser, hein. Il m'indique d'aller vers là-bas. Je vais gentiment. Ah, je me suis fait mal. Je vais reprendre des munitions au passage. Je vais gentiment partir par là-bas, attention. Oh putain, enculé, il va me. Bon bah. Attaque! Vite avant que je meure. Ouh, je suis pas dans. Je pense que je dois pas aller très bien là, oui, d'accord. J'aime vraiment pas très bien. Oh, il descend tout simplement par les escaliers. Quel bourrin, geek. Alors attendez, je vais aller à l'objectif. Je pense qu'il va falloir que j'active une deuxième bombe là-bas. Ouais, c'est bon, il me voit pas tant que je suis dans les bâtiments. Oh mon cul qui me voit pas, ouais. On va essayer de bouger le cul. Essayer de faire en sorte. Putain. Bon, je sprint. Je vais me mettre en mode bourrin. M'en branle qui est du mec à côté. Fuck off. On va se réfugier. Il va pas là-dedans, putain. Bon, je me suis fait niquer. Ça, je comprends vraiment pas trop le principe de jeu. Je crois qu'il faut vraiment être discret. Hein. Le faites pas à la Call of Duty en tout cas. Nouvel objectif, fouiller le corps de Krinf pour trouver des renseignements. Ok, donc j'ai pas l'accent allemand, je suis désolé. Hein. Je fais pas allemand, j'ai préféré faire espagnol. Et donc, oh ouais, bon, je crois qu'il faut les niquer. Hein. Bullet time. Franchement, faut que vous voyez le bullet time avec le corps qui se décompose. C'est juste énorme, comme à la Mortal Kombat, hein, que je me gourre pas, je crois que c'est ça, putain de soeur de merde. Je suis un petit peu nettoyage avant de descendre, hein, je pense. Oh là 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 là, attendez. Ah ouais, c'est vraiment dommage qu'on voit pas le squelette. Alors attendez, on va descendre intelligemment, doucement. On descend par là. Apparemment j'ai une Thompson en arme secondaire, s'il me gourre pas. J'arrive quand même à reconnaître la Thompson, oui. C'est mieux. Alors c'est parti. Il y a un char là-bas, il va me faire défonce. D'ailleurs, je souhaite à tous une bonne reprise. C'est vrai que je vous le souhaite un petit peu tard, mais vous avez sûrement tous dû avoir la reprise pour ceux qui étaient dans la zone je ne sais pas quoi. Je sais pas si même, je sais même pas c'est quoi. Putain, ça me saoule. Je sais même pas c'est quoi ma zone. Je crois que c'est la zone B. En tout cas, pour ceux qui ont fait le pont, là ils ont eu deux jours de cours. Et donc là, on va vraiment reprendre sérieusement les cours. Ne vous inquiétez pas, ça va passer vite, là, avec tous les ponts et tout. Je pense que vous faites tous le pont, de toute façon, là, la semaine prochaine. Donc, on va être tranquille. Espérons que le temps soit avec nous, parce que là, il fait beau dans certaines régions. Mais, enfin, en tout cas, moi, il fait beau, mais il fait froid. Le froid commence à s'installer. Donc, qu'est-ce qu'on en a à foutre du froid? Alors, attendez, je vais un petit peu. J'ai vu un bonhomme, là. Il est où, cet enfoiré? Il est là. Fuck that! Quoi, tu comptes fight? D'accord. Bon, je vais me dépêcher. Je sais pas depuis combien de temps ça filme, vu que ouais, ça passe très vite quand on parle. Je vais me dépêcher. Hein. Je vais essayer d'être le plus vite possible. Je sais pas trop c'est quoi la mission. C'est vraiment un jeu découverte. De toute façon, vous le voyez par vous-même. Les graphismes sont juste exceptionnels. Putain, on peut pas descendre sans se faire bobo là. C'est vraiment magnifique ce jeu. Je vous conseille à tous, donc je l'ai reçu, de toute façon je l'ai reçu tout à l'heure, je vous ai fait les vidéos en direct. Et je ne sais plus la date de sortie sur ordinateur, je suis désolé, mais en tout cas, vous pouvez l'avoir sur PC hein, sans problème. Putain, ça me fait
sais. Bon, on va se poser là un petit peu, on va parler. Et ouais, c'est bien, on arrive à passer. On va tuer du bonhomme. J'ai vu un mec là passer. On va déjà buter les mecs qui sont dans la rue là. Alors attends. Bam. Bullet time. Ok. Bullet time, je crois que c'est que quand c'est dans la tête ou une partie. Regardez, attends, on va voir. Si t'es à côté, ça préfère. Alors toi, tu bouges pas, tu bouges pas. Tu bouges pas. Voilà, bullet time, c'est vraiment que quand c'est dans la tête, apparemment. Ça doit faire mal. Hop. Ouais, ouais, bon, les bullet time, c'est que ce dans la tête et au-dessus du torse, apparemment. Ou dans le torse. Bon, ça me dérange que vous puissiez pas voir le bullet time où on voit le macabé du gars. Enfin, le squelette et. Je trouve que c'est trois fois plus tiré, par contre, on le fait tirer dessus par derrière, mais. Je vois pas d'où. Alors, ça, j'ai pas compris. Hein. Il y a ça. Je pense que apparemment la dernière position, on a fait une belle action. Alors attendez. On va réfléchir intelligemment. On va foncer! Flash cop. Eh ben non. Bon bah je crois que je vais encore mourir et on va rester sur une mission que j'aurais pas réussi. Bon bah je suis désolé les gens, je comprends pas. Pff, ce jeu m'énerve. Non franchement c'est un très très bon jeu. Je vous conseille à tous, je vous souhaite à tous. Une bonne soirée, une bonne reprise à tous, même si on a déjà repris depuis au moins une semaine. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit j'aime et de commenter. Salut tout le monde.